Je veux faire ce live. Je veux m'adresser un peu aux haineux, en fait. Les personnes, toutes les personnes qui sont haineux. Ceux qui sont du RPG et qui ont la haine contre nous, les haineux. Ceux qui sont de partout, en fait. Toutes les personnes qui sont haineux contre les haineux. Cette vidéo est pour vous, mes amours. Mes amours, là, vous n'avez rien à voir. Mais les personnes haineuses, là, hein, qui soient du RPG, qui soient à tous nos ennemis en amour. Les personnes qui ne digèrent pas les nielleux, mon frère et moi, cette vidéo est pour vous. Écoutez-moi très bien. D'abord, je dis, mon frère Ousmane Nielleux et moi, on soutient ce loup dans l'impignan. On soutient ce loup dans les... Vous êtes fâchés parce qu'on le soutient? Les certains soient déjà RPGistes parce que j'ai vu vos posts. Vous pensez que c'est à cause de vous que moi je suis dans le RPG? Vous les soi-disant RPGistes frustrés là, vous pensez que nous les Néloï, on est dans le RPG à cause de vous pour vous faire vous plaisir? Détrompez-vous. On s'en fout de vous. Moi, je suis dans le RPG à cause du président, père fondateur du parti, qui est Alpha Condé. Le premier jour que moi, j'ai adhéré au RPG arc-en-ciel, il m'a dit quelque chose. Mais je n'avais pas compris. C'est après que j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. Alpha Condé m'a dit quoi? Il dit, Fatou, regarde-moi dans le RPG. C'est moi que tu dois regarder. À l'époque, il était le président de la République. Il dit, je suis le président de la République. Et je suis le président du RPG arc-en-ciel. Donc, c'est moi que tu dois regarder. Alors, c'est ce regard. Moi, sur ce tombe, je regarde. Ce n'est pas à cause de vous, les petites personnes, soi-disant militants frustrés du RPG. Moi, j'en ai rien à foutre de vos avis. Hein, qu'on veut retourner dans l'IFDG. Ah, ils veulent retourner dans l'IFDG. Que nous, on est à la recherche de la visibilité. Nous, à la recherche de visibilité. Nous, les mielleux. Si on ne parle pas de nous, vous parlez de qui? Par contre, c'est nous le buzz des Guinéens. Il faut parler des mielleux pour que les gens te regardent. Tu fais un live tout à l'heure, tu es à 20 personnes, tu es à 7 personnes. Pour qu'on te regarde là, tu parles des nielleux, les gens vont rester parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que tu dis réellement des nielleux. Et quand tu dis vrai sur nous, ils vont se rendre compte. Et quand tu dis aussi faux sur nous, tu es là en train de mentir, nous diffamer, ils vont se rendre compte que ce que tu dis que c'est faux. C'est pas tout le monde qui nous connaît, hein? Mais les intelligents sur les réseaux sociaux, ils peuvent nous décrire un peu qui sont les nielleux. Nous, on n'est pas à la recherche de visibilité. Les frustrés. Nous, c'est nous votre visibilité en fait. Quand tu entends visibilité des Guinéens, c'est nous les Nielouis. Il faut parler de Nielouis. Il faut parler des Nielouis. Hein? Pour que on te regarde. Ou pour que. À un moment donné, quand même, il faut qu'on se respecte. Ne parlez pas parce que vos bouches là, quand vous parlez vos bouches là, c'est gratuit. Mais n'oubliez pas que vos paroles là, même vos paroles là, n'est plus gratuit. Hein. À moins que les personnes qui sont, comment je vais dire, dans les foyers en Europe, hein, qui sont dans les foyers en Europe, il y a le wifi gratuit. Peut-être il y a que eux qui parlent bouche gratuit et puis internet gratuit. Nous ici même, le wifi là, tu payes. Tu payes. Et je pense en Guinée aussi, la connexion, c'est pas gratuit. C'est pas du tout gratuit. Donc si nous, on soutient ces loups, pourquoi vous avez mal? Pourquoi vous dites que on a soutenu ces loups, on veut retourner? Vous pensez qu'on doit quelque chose à quelqu'un? Vous pensez que vous êtes notre père biologique qui est décédé? Nous, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un sur cette terre. Nous, on ne croit qu'en Dieu... On n'a peur que d'Allah. On a des personnes qu'on aime, qu'on respecte, qu'on considère sincèrement. À cause d'eux, il y a des choses pour ne pas qu'ils soient dessus parce que c'est des personnes qui nous aiment.
qui nous portent vraiment dans leur cœur. Donc, pour ne pas les vexer et qu'ils soient dessus de nous, il y a ces choses, on ne se permet plus de le faire. Sinon, on s'en fout. Hein? On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On ne travaille pas pour quelqu'un. Moi, Fatoumé, je ne travaille pas pour quelqu'un. Donc, vous, certains RPGistes frustrés, là, si vous êtes fâchés, si vous avez une haine contre Seloudalé, gérez votre haine. Selou et moi, là, le problème qui était entre nous, il n'y avait pas de politique dedans. C'était personnel. C'était un problème familial. C'est parce qu'on a perdu notre papa qu'il n'est pas parti. Après, je me suis rebellée contre lui. Et j'ai prouvé au monde entier que oui, je pouvais sauver l'honneur de mon père. Donc notre guerre là, c'est privé, c'est personnel. On a enterré ça. C'est fini, c'est fini. C'était pas politique. Hein? Et j'ai dit ça. Je ne faisais pas la guerre à Seloudalé à cause de Alpha Condé. Je ne faisais pas la guerre à Seloudalé à cause du RPG. Je ne faisais pas la guerre à Seloudalé à cause de politique. Je faisais la guerre à Seloudalé. À cause de quoi? À cause de mon père. Mon propre père. C'est quoi ça? iPhone maintenant, c'est grave, hein? À cause de mon père biologique. Donc c'est fini, c'est fini. Pendant combien d'années? De 2019. Le 1er janvier 2019. Jusqu'à mars 2022, on a enterré notre hache de guerre. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de guerre entre Seloudalé et moi. Il n'y a plus de haine. Donc ne profitez pas de vos haines, de vos trucs politiques là. Vous prenez ça, vous mettez sur moi. Je ne suis pas dedans. Je ne travaille pas pour vous. Oui, oui, les ethnos comme ça, là, je ne vais même pas te répondre, je te bloque, tu peux plus truquer. Si vous avez une haine contre Seloudalé, gérez vos haines, épargnez-moi, d'accord? Je dis, je soutiens Seloudalé. Si ça fait mal à quelqu'un, prenez de l'acide et puis buvez. Venez activer un live pour montrer au monde entier que le fait que Fatou Nielui à soutenir Seloudalé Diallo, le président de l'IFDG. On n'a pas aimé. Donc j'ai pris l'acide, j'ai bu. Là, on va comprendre que, ouais, il y a eu quelqu'un. Sinon, le cas contraire, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Je l'ai soutenu, Seloudalé. Je le soutiens. Il a tout mon soutien. Vous pouvez venir aujourd'hui. Quand on était en palavre ici, vous avez dit quoi? Que j'ai menti sur Seloudalé. Ah, Fatoumé l'a accusé, Seloudalé. Fatoumé l'a ment. Alors, je mens sur Seloudalé. Tout ce que j'ai dit sur Seloudalé, c'était du mensonge. C'était du mensonge. Oui, je suis amoureuse de Seloudalé. C'est mon bébé, toi qui as écrit. Il est où le problème? C'est un être humain. Seloudalé, c'est un beau gosse. Et si Dieu lui donne le pouvoir, il est le futur président. Qui sait? Demain ou après-demain, hein? Si Dieu a voulu que Selou devienne président, il va gouverner le pays. Et ceux qui sont vagés vont aussi quitter le pays. Vous allez sortir, quitter, vous pouvez aller vous exiler ailleurs le temps qu'il finisse ces deux mandats. Donc je m'en fous de vos dires. Quand j'étais là sur Seloudalé, 2019, c'était pas aussi trop, moi j'étais pas sur lui. Mais disons, quand ils ont arrêté Nielu, mon frère, 2021, 2022, j'étais là sur Seloudalé, matin, midi, soir. Je l'ai tellement attaqué, insulté, touché à sa dignité, dire des choses sincèrement. Vous avez dit quoi? Que je l'accusais que c'était faux. Pourquoi aujourd'hui vous revenez dire que Fatou avait dit ça? Moi je n'ai rien dit. Tout ce que j'ai dit là, c'était faux. J'ai menti sur Seloudalé. Vous pouvez venir aujourd'hui prendre vos haines, vos politiques, reverser ça sur moi. Vous étiez où quand on était en palabre? Vous étiez où
quand j'avais besoin de soutien, des hypocrites comme ça, là. Tout ce que j'ai dit sur ce loup, c'est ma bouche là qui était venue ici dire quoi? Tout ce que j'ai dit dans le passé là. Alors c'est la même bouche qui vient vous dire que tout ce que j'ai dit sur ce loup, je l'ai accusé. J'ai menti sur lui. C'est pas vrai. C'était pas vrai. J'ai parlé parce que j'avais la haine. Oui. Ngaye, Fatunyelu. J'ai bien fait. Je le soutiens. Ce loup d'Alenjalo a mon soutien. On avait un problème, on a fini avec ça. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de guerre. Devant le monde entier ici, il a désisté à toutes ses plaintes. Sa famille a désisté à leurs plaintes. Grâce à qui? Grâce à papa, maître Bérété. Grâce à Ansou Damaro. Grâce à Alpha Condé, qui m'a dit récemment, même récemment, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, laisse l'IFDG. Il m'a dit, tant que toi tu es sur celui l'IFDG, même si le parti IFDG, RPG fait la paix, quand vous l'aignez lui, vous êtes en palabre avec celui d'aller. Ça ne va pas marcher. Même si tout RPG est en palabre avec l'IFDG, mais quand vous l'aignez lui et l'IFDG, vous êtes en paix, il y aura la paix. Laisse-le. C'est qui? J'ai qui dans le RPG à part le président Alpha Condé? J'ai qui ici, c'est pas Alpha? Vous les militants frustrés là, depuis Alpha est allé en Turquie, il a appelé qui? Alpha Condé parle avec toutes les personnes qui sont importantes pour lui. Moi, il parle avec moi parce que je suis importante. Il parle avec moi parce qu'il sait que ouais, elle vaut quelque chose. C'est une militante, elle est sincère. Elle n'est pas dans aide-moi à détester. Même si moi, son papa Alpha Condé, je suis en mal, en palabre avec quelqu'un. Si elle ne cherche pas à nous réconcilier, elle ne va pas se mettre dans palabre là. Donc, elle ne se mêle pas dans des palabres qui ne la concernent pas. Alpha est au courant de ça, il sait ça déjà, il me connaît pour ça. Donc vous les papatos, les frustrés, les haineux depuis le temps, depuis qu'on a adhéré au RPG, il y a des gens ici, il y a certains frustrés RPGistes, vous avez trop mal de fait que nous sommes toujours dans le RPG. Parce que ce n'était pas ça, votre vœu. Pour vous, quand Alpha va partir, Mamadi va venir, nous on allait revenir dire, ah nous ok, voilà, et puis c'est fini, on n'est plus du RPG. Parce que dans vos têtes que, depuis au début, ah les gens là, c'est des espions, ils ne sont pas dans le RPG, ce n'est pas sincère. Maintenant, vous avez vu, vous qui avez dit ça, les gens là, c'est des lignes, c'est des espions dans le RPG. Ils sont venus espionner RPG pour IFDG. Ils ne sont pas sincères. C'est nous là qui sommes restés. C'est vous les soi-disant fidèles, papato fidèles là. C'est vous qui êtes partis soutenir Mamadi Doumbouya. Mamadi qui a humilié Alpha Condé. Mamadi qui a rabaissé Alpha Condé. Mamadi qui a pris Alpha comme... Il a fait de Alpha un coliche. Mais lui, vous le soutenez parce que tout simplement, il est malinqué, il est votre parent, certains d'entre vous. Parce que je sais, beaucoup d'entre vous, ceux qui nous attaquent là, c'est certains RPGistes et qui sont de la communauté malinquée. Oui. Ah oui. On a bien fait. Nous, on est du RPG. Ça vous fait mal? Parce qu'on est du RPG. Nous, on n'était pas là parce qu'il y avait ça. Hein? Moi, j'ai dit, je suis RPGiste. Je suis RPGiste et je suis fière. Et à cause de nous, les Nielleux, là, vous ne pouvez pas dire que les Peuls, c'est des ethnos. Ou que les Peuls sont comme ça ou comme ça. Parce que nous, on est Peuls et très fiers d'être Peuls. Mais on est dans un parti qui n'est pas, dont le président n'est pas Peul. Alpha Condé, il est malinqué. Le RPG, 80% du RPG, c'est les malinqués. C'est comme l'IFDG. Tous les partis politiques en Guinée, les 80% des militants sont de même ethnie que le président du parti. RPG, 80% du RPG, là, arc-en-ciel. 80% des militants, c'est des malinqués. C'est les 20%, nous autres, là, qui sont mixés, sous-forestiers, etc.